Bonjour le monde. Bienvenue sur Ibra Plus. Aujourd'hui, je vais montrer un sport que je pratique quand même depuis 7-8 ans. Et je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous. Ta gueule. Ça peut être intéressant. Ta gueule, laisse-moi venir. Ça peut être intéressant pour vous que je montre un peu. Je vous fasse découvrir. Ta gueule, attends. Moi, je vais pas me voir. Mais je suis pas demandé si tu veux savoir. Change pas. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous que je montre un peu le sport que je pratique depuis 7-8 ans. Ou certainement découvrir à certains d'entre vous qui ne connaissent pas la lutte. C'est vrai que c'est pas un sport très très connu comme le judo, mais il se trouve qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas la lutte. Donc aujourd'hui, je vais montrer un peu la lutte, comment ça se passe, un entraînement de la lutte, et voilà. Il veut trop se montrer, mais je vais pas le montrer. Et aussi, rejoignez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, oui, ça me ferait plaisir. Oui, je suis accro à Instagram, donc voilà, rejoignez-moi sur mon Instagram aussi. Et c'est parti tout de suite pour un entraînement de la lutte. En fait, j'ai décidé de faire l'entraînement après tout le monde, comme ça je dérange pas les gens, parce que certains ils n'ont pas envie d'apparaître dans la vidéo. Et on commence tout de suite avec l'échauffement, et j'espère que ça va vous plaire. Alors on est là pour l'entraînement de Ibra TV, tu vois. Et là, pas le time, il est en train de faire des selfies là. Attends, je vais montrer. Ibra TV, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il est fort, il fait des bons saltos. Ah ouais, t'aimes bien ces vidéos? Oui, j'aime bien. Tu mets des pouces bleus? Oui. Ah ouais, tout le temps? Non. Pourquoi pas tout le temps? Parce que j'ai pas de temps, je travaille. Ah, tu travailles? Non, mais je... Non, devoir, je vais dire de devoir. Ah ouais. Il faut mettre des pouces bleus tout le temps. Oui. Faut marcher dans celui-là. Vas-y, check ça. Presque tous les lutteurs ils font comme ça pour se muscler un peu le cou, parce qu'à la lutte, vu qu'on tombe trop souvent sur le cou, bon voilà, on est obligé de se faire muscler le cou, et comme ça on se casse pas le cou. Je lui dis au moins 10 fois le cou. Bon, ouais, je me suis pété le lettre. Regarde-moi ce cou. Vu que je filme après l'entraînement, il n'y a pas d'adversaire, du coup je devrais faire un petit truc entre la lutte un petit peu nul. Mais vous aurez un petit aperçu comment ça se passe. Ça c'est le truc de la base de la lutte. Défense, attaque.
Bon, Daniel, salut. Bonsoir à toi. Quelques mots de monsieur Daniel. Sur monsieur Ibra ? Non, c'est Ibra TV, Ibra bras d'honneur alors. Ibra d'honneur, on dit. Ouais. Voilà, bah, je l'ai rencontré, il traînait dans la rue à Leuville. Ah. Il vagabondait sur le trottoir pour aller faire des courses. Sa maman était à la fenêtre. Et donc, j'ai entendu parler tchétchène. Et donc, j'ai dit, voilà, bah, faut venir à la hutte. Et depuis, il est venu à la hutte. Avec son frère. Est-ce que vous êtes satisfait de ses capacités ? Non. Ah bon ? Bah non, parce qu'il a des capacités énormes, mais il les utilise pas pour la lutte. Donc, il pourrait faire mieux. Il a un potentiel énorme. Ouais. Allez, salut. On a échauffement, mais lui, il fait un petit boston de boxe. Allez. On n'est pas les mêmes potes, donc du bossage, on n'est pas les 100%. Un petit moment de piégeage. Bonsoir. Il est semblant d'avoir mal à la boxe bien. Alors, ça va, il boxe bien, bro. Là, c'était pas vraiment de la lutte, donc je vous rassure. Non, c'était échauffement. On est dans une salle de lutte, mais on peut faire un peu de tout parce que c'est la famille. On nous autorise à tout faire. Parce que vu ce que c'est l'entraîneur. Je t'entends pas parce que le micro est vers moi. Non, mais. Et ouais. Ne fais pas le même point que moi, mais on va monter un peu la lutte comment ça se passe. Question, pourquoi je passe derrière à lutte quand tu passes derrière, c'est un ou deux points, je m'en rappelle plus. Les deux points, je mesurais à quelqu'un de à peu près de sa taille, c'est-à-dire son frère Isma de Isma TV. Donc voilà, c'est parti. Si je le gagne, vous gagne. si je gagne, si je marque en si je marque en point un point, vous mettez un commentaire sur moi que vous m'aimez et tout. Tu connais. Oh, le vent. Je suis chaud. Non, il va te faire des prises d'eau. C'est de ma gueule. Je me laisse un peu. J'ai chauffé. J'ai chauffé, t'inquiète pas. Saine. I'm a
plus tard. Bon les gars, bientôt j'arrive dans les vidéos de Ibra de Ibra TV. Je ferme pas leur gueule, c'est chiant. Genre ça sera pas des caméras cachées ou quoi. Ça sera pas sur la chaîne de Ibra TV. Ça sera sur une autre chaîne que vous connaissez déjà sûrement, sur Crazy Taste Try, motherfucker. Putain, m'a bien niqué la lèvre. Ouais, pas mal. Et genre Ibra TV, il m'a promis que j'y passerai. Donc d'après lui, c'est moi je vais conducir. Je vais conducir la bombe de la carte au fait. Bon, je vais vous montrer quelques prises très connues et importantes de la lutte. Donc voilà, je vous laisserai découvrir un peu ça. Avec Isma TV. Première prise, tirage de bras. Tirage de bras, souplesse. Bam, on tire à derrière. Ok, une fois qu'on est là, bam. Voilà. Vous gagnez 5 points. Prise numéro 2, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était super cool à vous. Après, une autre prise qui est très très connue, tout le monde le fait. Après, il faut accompagner, bien sûr, faut pas lâcher, mais moi j'ai lâché parce que j'avais de la flemme. Là, on va faire une prise classique. Voilà, vous voulez. Faites comme ça. Et une dernière prise pour la beauté. Pour amuser un peu les yeux. On ne dit pas ça. Ah, bam, celle-là. Vous avez vu celle-là? Celle-là, elle vaut 5 points aussi. Donc voilà, c'est fini. Bien sûr, il existe des centaines de prises. Je vais vous montrer juste un petit peu les plus connues. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. C'était pas vraiment la lutte parce qu'il n'y avait pas de gens pour m'entraîner avec moi et il n'y avait pas l'entraîneur. Du coup, je vous ai montré juste un petit aperçu de 10 ou 20% de la lutte. Et j'espère que ça vous a plu. Donc vous me faites savoir avec des j'aime ou j'aime pas. Et voilà. Oui, ma bouche est un petit peu déformée parce que je me suis pété un peu la lèvre. On dirait que je me suis injecté un peu Botox. Donc voilà. Comment avoir Botox gratuitement. Bon voilà, salut les gens et à la prochaine. We sweet nigga on the track, nigga.